l'équipe là. Hein. Tu vas bien? J'ai été sollicité, j'ai fait une première fois à Aurillac pour le lycée, et après ce sont les éleveurs salaires qui m'ont sollicité à chaque fois pour une fresque géante du Land Art. Et j'ai toujours répondu favorablement. J'en ai fait 7, donc délimité. Vous quadrillez tout l'ensemble là. Il y a 20 km de ficelle à peu près. Oui, d'accord. Pardon. Wow. Bon, Romain est en train d'écrire un texte, hein, mais comme on voit rien, c'est le bazar. Il pleut, mais je crois que j'y suis arrivé. Vas-y. Au col de la Volpillière à Saint-Aliré-Montagne, les éleveurs du Puy-de-Dôme bravent la météo pour la confection de leurs fresques au passage du Tour de France. Attends, je viens d'entendre le clic, tu vois. Ah bon. Ça va commenter dur, je le sens. En fait, l'idée, elle est tout simplement venue que quand on a vu le tracé du Tour de France, et ben on s'est aperçu qu'il passait à Saint-Aliré, juste à côté de la ferme de Michel et Marine Vancimertier, donc les éleveurs d'Ovalie, l'égérie du dernier salon de l'agriculture. Et donc là, ben, tout de suite, on s'est dit, il faut marquer le coup, il faut faire quelque chose. Vous avez vécu des moments exceptionnels. Oui, on a été pas mal sollicités, on a vécu pas mal de bons moments. Ouais, mais c'était de la joie de représenter, d'être l'ambassadeur de cette belle race salaire. Ah ben oui, c'était une immense joie de représenter la salaire, l'élevage et puis ses alliés. Vous avez vraiment joué votre rôle à fond avec Marine. Ben, on a essayé de le faire. Et avec Ovalie, bien sûr. Il est possible avec Ovalie. Ouais. Bon, après, si on l'a bien fait, ben, tant mieux. Alors voilà, avec Michel, hein. C'est formidable. Mais ouais, on n'est pas bien. Bah ouais, montrer aux coureurs, montrer à tous ceux qui veulent nous regarder. Laurent Julien, oui, tout le monde est invité. On tiendra une buvette ici même, à côté de la fresque. Il y aura la présence d'Ovalie, dégustation de viande de salaire, dégustation de fromage. Voilà, donc et du beau temps. Dans du beau temps et dans un lieu magnifique, hein. Ouais. Et on est dans le Cézallier là. Non, plein milieu du Cézallier. En plein milieu du Cézallier, ouais. C'est magnifique, on est seul au monde. Ouais. Formidable. La partie basse, elle est juste derrière nous. Ouais. Voilà. Et ils viennent de dessiner les contours de l'oreille. D'accord. Ce sera cette partie-là. C'est important de venir soutenir les paysans quand on s'appelle Voisou et qu'on chante pour la ruralité. Bon, on soutient la ruralité depuis 25 ans l'année prochaine maintenant. Je pense qu'il y a une véracité à tenir. En plus, si tu veux, c'est même pas une obligation. C'est quelque chose. Moi, mes grands-parents étaient paysans, les grands-parents de Jeff étaient paysans. Et nous, c'est ces valeurs. On va pas refaire un peu ce que je dis sur scène tout le temps. Il n'y a pas de pays sans paysans. Et c'est clair et net que tout ce qui arrive dans nos assiettes et dans nos verres, ça vient tout de là, quoi. Et ce qui est génial, c'est pour les petites régions comme ça, le passage au Tour de France, je regardais la route, c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est super, quoi. Carrément. Et faire une chanson sur Ovalie, là, au cœur du Cézallier. Alors là, pour le coup, la chanson pour Ovalie, c'est même pas à nous, c'est les gamins qui l'ont faite, si tu veux. Donc c'est la deuxième fois qu'on travaille avec des gamins. La première fois, c'était sur une chanson qui était un peu moins rigolote, c'était pour les petits-enfants qui étaient hospitalisés et qui avait été écrite par les CM2 de l'école de Meusel à côté de Clermont. Et Jeff l'a mis en musique aussi. Et donc Ovalie, pareil, si tu veux, nous à la base, on n'était pas partis sur une chanson, mais les gamins ils nous ont tellement raconté de choses sur cette vache et puis sur le monde de l'élevage que Jeff a dit, allez-y, prenez un papier à stylo et bien, puis il les a aidés bien sûr à l'écriture parce que c'est quelque chose, ça s'invente pas, quoi. Mais voilà, c'est ce qui est génial, c'est d'avoir cette participation avec eux. Alors j'explique, on est venu à Marseille il y a 2 ans, ils tombaient des cordes, j'explique même pas, et ils ont fait 800 entrées, donc là aujourd'hui il fait beau, tu vois. J'ai eu la bonne idée, on a tourné un clip et je voulais absolument monter sur un tour. Donc elle nous a dit, on a mis une petite annonce et tout, puis là ils ont répondu, je sais pas comment c'est passé. C'est Jeff qui m'a envoyé un message. Ouais, donc elle me dit, écoute, moi j'ai un taureau, tu verras, il est super gentil. Donc elle nous envoie des vidéos comme quoi elle est dessus, nickel, ça se passe nickel. Et on arrive, les fait sortir, on parle par le pré là et... donc elle me dit, tu t'appuies bien dessus, tu l'habitues à toi, machin, puis moi si tu veux j'avais pas peur du tout, quoi. Donc je m'appuie bien dessus, je lui passe la brosse et tout. Et puis je sens que le taureau il est bien, donc je monte sur le taureau.
Et là, Jeff, il arrive avec cette putain de caméra. Il colle la caméra sous le taureau, puis il carre, ça lui a pas plu. Et il carre, il m'a fait voler, mon petit gars, alors quelque chose de beau. Et c'est pareil, du coup, voilà, merci. Comment ça s'est passé la première rencontre? Impeccable. Voilà. Du coup, tu te rappelles comme ça au moins? Ah ouais, bah, je m'en souviens bien. La passion de chanter, la passion de la musique, mais aussi la passion culinaire. Ouais. Hein, la cuisine. Alors la cuisine, j'ai donné à quelqu'un d'autre, hein. Parce que je suis capable de te faire à manger pour 5-6 personnes, mais pas. J'ai un restaurant à Clermont, j'ai. C'est vrai que la cuisine, c'est la vie, hein. C'est ce qui, en fait, ça va de la terre à l'assiette. Hein. Bon, on a vu l'émission, là, un bon souvenir, là, l'émission, là, un concours. Qu'on a perdu contre les Montpellierains, hein. Ouais, fille d'un an des dieux, avec une glace à la patate, c'est vraiment de la gueule du monde, c'est Montpellier, je te dis, moi. Fille d'un des dieux. T'imagines, on a perdu contre une glace à la patate. Voilà. Oh, Pierre-Jean, on est bien quand même dans le bureau, là, hein. À Brion, à Bellefille. On sera au sec déjà. Ouais, putain. Et puis ça fait un petit cadre festif. Sympathique. Je crois que je dirais, c'est pas dégueulasse. Merci pour les grâces de vous aujourd'hui. Pour remercier tous les éleveurs qui se sont mouillés ce matin, qui vont se mouiller toute l'après-midi parce que c'est pas fini. Et c'est pas de transpiration. Et c'est pas de transpiration. Un grand merci à Jean-Pierre Lavergne qui nous coach dans ce défi. Un grand merci au groupe Oiseau, à Jeff et Kevin de venir parrainer notre fresque et de venir nous aider. Boire un peu de cristalline. Tu remarqueras que le seul qui s'est mouillé, c'est moi. Ouais. Puis, j'ai remarqué. Il n'avait même pas voulu faire péter le brushing. Mais avoir Oiseau ici, c'est formidable. Hein, un groupe exceptionnel, international, j'en parle. Ah ouais, internationalement connu dans ses années. Si t'as vu que ton Cantal que du côté Pitôme, on fait un carton aussi, ça va être. On peut pas se déplacer sans la garde républicaine, attention. Hein. Et monté par les salaires, bien sûr, la garde républicaine, ça monte des salaires. Merci, faire parler du Césalier, on l'a fait avec l'Égérie, et faire parler du syndicat. La présence de Oiseau aussi, c'est important. Et bien la présence de Oiseau, c'est important, forcément c'est important. Il me semble que dans tout ce qui chante, il y a tout le temps un clin d'œil à la ruralité, au terroir, et il me semble que nous, on est tout ça, nous, on est à la fois la ruralité, le terroir, les salaires, et donc je pense qu'il y a vraiment un lien entre ce groupe et nous. Bon, Sébastien, t'as un mot à dire ? Non. Mais là, il mange. Qu'est-ce que tu veux, Guy ? Tu veux que je dise quoi ? Vous mangez comment, là ? Vous mangez pas, là ? On prend les cruches des autres, en fait. On attend la table solidaire pour les manger. Ah, vous êtes au deuxième service, c'est fait maison, tout ça, c'est... Oui. Alors moi, je suis venue un petit peu en retardement pour donner un petit coup de main, alors j'ai dit, je vais venir avec du ravitaillement. Bon, moi je m'en fous, je vais dire au président du département du Puy-de-Dôme que Kevin il a pas pris la casquette. Je suis dans le Cantal ce soir, je vous dis ça. Oui, mais ici on est dans le Puy-de-Dôme. Bon, cette chanson au Valis là qui a boosté encore, hein, le coup de projecteur qui était donné sur la Roisse Salaire et notamment donc sur cette vache. Alors ça vient, c'est mieux comment ? Tout simplement. J'avais été contacté par le lycée d'Aurillac qui voulait que je fasse une chanson avec les élèves du Saint-Nicolas, avec Magali, donc la professeure de français. Et en fait, parallèlement, il y a donc Ovalie, la nouvelle star, qui allait défiler à Paris pour être la nouvelle Miss France. Et du coup, je me suis dit, c'est là que j'ai l'idée de faire une chanson sur Ovalie avec les élèves. Et l'idée leur a plu, et on avait fait une chanson sympathique. On a lancé aux élèves une petite chanson, j'ai aidé les paroles en disant, voilà, la petite minette qui monte à Paris en différence Ovalie. Et j'ai dit, on va essayer de faire des trucs un peu décalés, on ne pouvait pas faire un truc trop protocolaire. Et vu que c'était un peu nos guigirons, comme on disait, les lycéens, avec leurs mots, voilà, on trouvait des idées décalées et rigolotes. Et après, j'aurais proposé une mélodie, une fonction de ça, j'ai fait un arrangement et on a fait un clip. C'était les élèves qui étaient acteurs du clip. Et on a été filmé aussi Michel et Marine et leurs enfants. Et c'était vraiment un super souvenir. Bien mettre en effet, souvent les gens comme nous, par exemple notre chanson Agriculteur, j'avais filmé
filmait, on n'apparaît pas dans le clip, on mettait en avant les agriculteurs de Haute-Loire qui avaient organisé une terre de gym. Pour, récemment, on a fait une chanson en Chabrou et c'est Louis, agriculteur de Haute-Loire, qui était un peu l'acteur principal du clip. Il y a aussi des éleveurs, des gens qui font du Saint-Just à côté d'Ambert, des amis à nous qu'on aussi on met dans le clip. Et voilà, c'est on aime bien mettre les gens, les figures. L'agrotourisme là, qui était roi ici en Auvergne et dans le département sur le Tour de France, le Critérium du Dauphiné et tout ça, on n'a pas eu idée à faire une petite chanson avec les cyclistes. Le maire d'histoire, Bertrand, il m'avait proposé de me solliciter pour faire une chanson, mais bon, j'ai pas eu le. Toujours, il faut avoir un nombre d'attaques pour faire une chanson, et voilà, c'est vrai que c'était un niveau timing. Et ça viendra. Alors, du coup, j'ai écrit une chanson, mais sur le cyclisme, je crois que ça leur a pas plu. Ce que je leur disais, que ça parle un peu de dopage, ce qui est quand même la réalité. Je disais que si le mec. En fait, dans la chanson, je m'adresse à, pour la sortir l'année prochaine, parce qu'on peut sortir un nouvel album. Et en fait, dans la chanson, je dis, je m'adresse un peu comme si on s'adressait à depuis 20 ans, quand même. Souvent, les Américains qui arrivent, ils sont nuls, et puis du coup, ils gagnent tout. Donc je dis, si t'étais pas chargé, ben, Romain finirait premier, quoi. Et même après, je dis, si tu viens dans le. On est par chez nous, ne pisse pas dans le pied des volcans, parce que ça risquerait d'arriver. Donc c'est un peu caustique, quoi. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Mais, donc c'est vrai que c'était pas très corporel comme chanson, mais alors un nouveau clip, un nouveau album, pardon. Les prochains, ouais, en fait, nous 25 ans, et on prend un nouvel album. Chanson décalée, enfin dans l'esprit de tout, du sourire, de la joie, de la bonne humeur. Voilà, ouais. Des canons, la fête à Brion, et voilà. Merci. Il a pris une cuite. On sait pas être prêt pour la. Avec les élus pour le Tour de France, voilà. Donc il est content qu'on soit là. Parce qu'on va parler à sa place. Voilà. Jeff, un petit mot là, c'est quoi ça? Alors, ça c'est pour les. C'est pour Kevin tous les matins, avant de faire son sport. C'est mon bureau. Bon, voilà. C'est une cuvée auvergnate, offerte par la maison d'Espra. C'est la cuvée Terre et là. Terre et là. 50% Pinot, 50% Gamay. Un super vin équilibré. Moi j'ai dit qu'il le faisait vachement bien. Ils nous ont fait ça pour les 20 ans de Oiseau. Donc cette bouteille il va avoir 5 ans. Donc ça commence à consommer. Voilà. Pour les 25 ans, il va y avoir quelque chose de spécial. Eh bien on lance un appel aux vignerons pour vous donner une nouvelle cuvée. Allez, santé. 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 Et vive la France. N'oubliez pas, vive la France. Et surtout l'Auvergne. Eh, les éleveurs. Ah non, bah David. Non, non, vive la mairie de Carbon. Mais c'est un fromage, mais c'est connu ce fromage là. Non, c'est vrai. Alors il vient d'où celui-là? L'église Neuve d'Entraigues. Quel GAEC? GAEC des Charères. Bon, ben Jeff, alors là, à mon avis. C'est mieux qu'un sac Hermès, quoi. Que. Mais oui. C'est reparti, président. C'est reparti. J'y vais. Ah ouais, jusqu'au bout. C'est ça. Je suis d'Abonné. Non. Eh si, je suis de la Corrèze. Ah. C'est Pascal. C'est de la gentiane. Oui. Ça fait du très bon alcool. De toute façon, ils consomment tout en alcool ici. Ça, c'est les pâquerettes, ça fait très bon alcool ici. En fait, Magali, elle a un peu eu de biberon quand t'étais petite. Direction la Godivelle et le col de la Volpillière, je sais pas quoi. Il y a la barrière en bas. La dame, elle a pris la taxi. Centre, l'argent. Les images, en bas on a le salaire 63 qui est en train d'être dessiné et au fond on voit l'allure, les taches, l'œil de la vache, les deux cornes qui
se détache sur le front et les oreilles. Et ici, à droite, le mufle qui est en train d'être réalisé. Un mufle très large comme il se doit. Il ne manque plus que le 63 pour le département du Puy-de-Dôme. Jean-Pierre, alors là on est content, elle se présente bien cette fresque, elle paraît parfaite. Elle paraît parfaite, donc ça se verra beaucoup mieux lorsqu'elle sera fauchée, lorsque l'herbe sera donc coupée, se détachera sur le fond donc le dessin de la tête de vache qui apparaîtra en net. Puisque l'herbe ne sera pas fauchée à cet endroit-là. Procéder à la coupe, là, non ? Voilà, maintenant on va enlever toutes les ficelles du quadrillage et on va passer à la débroussailleuse ou rotophile le contour de chaque dessin ou lettre et ensuite le reste sera fauché avec le tracteur pour aller beaucoup plus vite. Jean, il y a tout le monde. Mais Jean, il rentre. Jean, il dépasse. Bon, et ben, on est revenu à la Volpillière avec un temps quand même plus agréable et on va essayer de faire du drone. Hein. Ben, on va essayer. Voilà. Avec mon cher Jean, maire Mongrelais, on salue l'initiative du syndicat Salaire qui a fait une magnifique fresque là, dans le pré. Là. Et tu enregistres là, alors ferme tes yeux. Et puis tu fais la réaction en faisant waouh. Tu vois, oui, je fais waouh ou devant ouais, le ouais. téléphone. Voilà, ferme tes yeux. Vas-y. Mais j'ai fermé les yeux, mais là je. Voilà. Allez Pierre-Jean. La délivrance. Qu'est-ce que ça donne? C'est nul ou c'est pas nul? Waouh. Ah si. Ah mais là c'est chouette. Si, c'est vraiment.